Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne d'aventure vidéoludique. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va continuer du coup le Dead Island 2. Voilà, du coup on a fait une petite session là précédente, on est un peu fouillé un peu Bel Air, on avait fait deux quêtes annexes. Et puis bah du coup sur celle-là on va reprendre la quête principale. Parce que bon, vu peut-être qu'on va déverrouiller des nouvelles cartes, des nouvelles compétences. Donc autant se focus un petit peu sur la quête principale pour l'instant. Voilà. Alors du coup, faut qu'on trouve Michael. Salazar, what a woman. Où est-ce qu'il peut se cacher? Where you hiding, Mikey? Qu'est-ce qui... J'espère qu'il s'est pas fait bouffer. Pas fait contaminer. Where you hiding, Mikey? You tried his room? Go down here, take the stairs on the right. This place is fucking huge, huh? Est-ce qu'on avait visité ici? Ouais, c'est la salle de sport. Must be in here. Michael! Tio. I hope you're happy, you devil! Oi! Oh, that girl! And after everything he's done for her. No, no, that's it. It's time we had a talk, Emma Junt. Wait just a minute. Can you not just tell me where Michael is? Gone. Out there! Oh, feck. What did you expect? He was a supporting lead. Then this, Joe and Sam, and suddenly, poof, he's written out. Focus. Where's he now? Get off me! Somewhere, I don't know. To get her to notice him again. You mean he's addicted to being a doormat for Emma anytime that slapper throws a fit? Hey! You don't get to talk about her, okay? You know nothing about Emma. Okay, okay, Jesus. For fuck's sake, I've gotta find him. Why'd you care? Apparently, we need him. That is, we do. We need everyone. I wonder if he would have... He took his keys to his place in the hills. Then that's me off to the hills. God moves in some... really fucking mysterious ways sometimes. Perdóname, Dios. Oh, he's breaking my melt. He really is. Okay, well, sooner I'm off, sooner I'm back. And I will pray for Michael. Super. So charming. Juste pour Michael, pas pour moi. Alors, du coup. Hey, Sam wants some guns. Got any ideas? Nah, but if you find any, I got dibs on the big one. No problem, no problem. I'll fix it. That's what I do. C'est lui qui veut des armes, là. Huh? No comprende la Spanish. You got any guns back there? No para ti. Is that code for... yes? It's code for get away from my damn bar. That's what I love about us, Carl. Always giving each other shit. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont d'autre? Il aurait fait le plein de fusibles. Ouais, je vais lui prendre. Comme ça, on en aura besoin. Bah, si on en a besoin un peu plus tard. Vendre, ouais, c'est vrai que du coup on peut vendre aussi des trucs. Ouais, du coup les armes, au lieu de les détruire, faut peut-être que je les garde pour lui vendre. Pas une arme que je pourrais lui vendre là-dedans. Qu'est-ce que j'ai qui est en double? J'ai rien en double. Si j'essaie, ouais, c'est même pas les mêmes couteaux. C'est un
couteau en bois de serre et ça couteau Bowie. Ouais, bon, allez, ça va. Regardez ça. J'ai déjà deux fusibles. Il paraît que vous avez un plan pour nous sortir de là. It's in the works. I'll get you out, don't worry. But the donkey's coming too. We're in this together, yeah? Hey, wait. You need a donkey? I can get you a donkey. We'll be like Mary and Joseph and shit, except with me around. There's always room at the inn. Oh, yeah, yeah, great. Ils en disent des conneries. Alors du coup, à l'extérieur. Par contre, du coup, on peut pas faire passer le jour et la nuit. C'est dommage. Ça, c'est pareil. En fait, je trouve ça un peu dommage, c'est que les bottes de sûreté, en fait, quand on les voit, quand on les met comme ça sur la carte en surbrillance, ça nous met pas en fait quel type de boîte de sûreté c'est. Je trouve ça un petit peu dommage. Ok, donc du coup faut qu'on aille là-bas. C'est pas... Du coup ça va nous amener vers un autre secteur. J'ai augmenté un petit peu la luminosité aussi, parce que je crois que sur la portion de capture c'était un poil sombre. J'espère que ça sera un peu mieux pour vous comme ça. Il y a un moyen de passer la porte verrouillée. Pour défoncer les ennemis, je pense. Par contre, il y a un truc qui est un peu chiant, c'est qu'on peut pas modifier nos accessoires, nos objets de lancer. Là, on est obligé de passer par l'inventaire, c'est un peu chiant. Du coup, voilà. J'espère encore récupérer d'autres emplacements. Mais... C'est assez chiant quand on passe par le menu pause, on se retrouve avec. Je me concentre parce qu'il y a le gros qui m'arrive dessus. Et on se retrouve en fait avec le jeu qui rame pendant quelques secondes. Alors viens par là toi. C'est ça la gueule. Ils ont envoyé un deuxième gros. Ça. Est-ce qu'ils arrivent à rentrer là-dedans? Ils tapent sur le sol et j'en suis sûr qu'ils vont toucher. Allez. Voilà. Parfait. Du coup, c'est bien ça. L'autre, il a une clé sur lui.
Don't get in my way, don't die. Ouais. Bon, ben voilà. Ouais. On va visiter l'autre secteur. Beverly Hills. Let's see what you got. Ah, c'est Beverly Hills, on va. Aussi fait jour, c'est un plaisir. Un peu de thune. Ah, glorious day. Ah, bien sympa cette zone. Playing with their friends. Burials. Including their new friend Michael. Avec les stars. Villa des stars, ouais. Ouais, bon, il est pas super grand apparemment le quartier. Moins que la zone d'avant, quoi. Du coup. Canyon Park Trail. C'est vers le Black Cliff. Hein. Ah, c'est dans la maison qui est en face. Là. There it is. Michael's place. Oh putain, c'est un huile. Oh dearie me. You lose your keys. Michael, you're home. Alors. Ah, Grant. Someone left me a little snack. Not too long ago either. Suicidal Zom or zombie slaying Michael? Both equally unlikely. This better not be your blood, Mikey. That you. Ah, shite. Locked. Michael! Scream if you're bleeding out! No? Should probably find a way in to be sure. Hollywood career. Alors, prospectus. Ah ok, c'est un truc qui est lié à sa quête. On a quatre à trouver. Il était undressé par Michael Anders, man of many talents. Mentor of the year. Here. What a fella. Preuve de sûreté. Alors, les fumeurs de la maison. Soundtrack signed by the cast. Bet I could get a book or two for these. Key. Ils sont à l'envers, les tabourets. Ah oui, il y a une note. Jesse said. Bizarre, je la voyais pas clignoter la note. C'est encore un truc lié à sa quête. Note de Jesse, je t'ai rapporté tes clés. Mes abrutis de parents étaient dans le Qualtar. Qualtar, je pense plutôt. Ouais, je sais pas si c'est écrit comme ça, Qualtar. En fait, je l'ai jamais écrit, donc je sais pas si c'est écrit comme ça, sûrement. Ils ont loupé l'évacuation. Je vais devoir rester pour les aider. T'es sans doute parti depuis longtemps avec Emma, mais si tu reviens dans les parages, passe me donner des nouvelles.
s'est ouvert derrière Jesse. Ok, donc du coup. You have the keys. So where are they? There was a struggle, so. Ah, les clés. Chez Michael. Oh, attendez, je vais juste me reculer un peu. Où est-ce que je trouve ça? Ah! Knocked from the hook. Alors, on va aller voir là. Please don't be dead, please don't be dead. Oh putain. Well, he's not bleeding out here, at least. Maybe he went to that Jessie's place. I need her address. Trouver Ovi. Oh, hey, Mike. Call? This is Roxanne Kwan. If Jess is there studying, could you tell her to be back here by 8? I don't want her to miss the party. Probably best you don't come, though. After, you know. Okay. Bye. All right, Jesse Kwan. Just a map of some movie lot. Those kitchen knives came in handy, eh, Mikey? There you carnet d'adresse. Ouais, du coup, ça doit être le dernier truc à collecter pour sa quête. Ouais. Carnet d'adresse, voilà. On a l'adresse 667 Rocky Heights. Jesse Kwan. And she lives right next door. On his trail like a fox after a bleeding rabbit. I'm coming for you, Michael. Ça porte pas ce qu'elle dit. To save you, that is. On va les recruter les ennemis qui sont là-bas. Voilà. Electrocutation. J'ai les zombies nuées là, je me fais attaquer par vos vieux insectes. Voilà, bon, je les ai calmés. C'est un peu la zone d'affrontement par là. Jessie chez elle. Ah, peut-être ferme là. Il faudra amener une batterie. C'est trouver un boîtier. Non, c'est un boîtier de disjoncteur. Sorry, zombie, party's over. Not a zombie, just. Is it a pizza? Hey, do you have pizza? Of course I do. Now let us in. Yeah. Well, if I open this door, a whole load of zombies might rush in, and I'm pretty sure that's a bad thing. Then why have you left the gate wide open? Oh, yeah. Well, we're having this big party, right? And some of the guys, not me,
were riding on a gate and it broke. Now, there's a whole bunch of spares in the garage, but it's like full of riffraff. Fine. Okay. I'll give closing it a lash. Oh, killer. I'll hit the garage button. You bounce the party crashers and fix things up. And then, dude, Mikasa is your casa. Hey, Roxy, we got company. Find your jeans. The fuck is my underwear? Sure. And there's a poke in Darwin's eye. Party's over. Ugh! Hell yeah! Fighting music! I can jam to this. Voilà, parfait. Hop dans ta gueule. Hop dans ta gueule. Voilà, boutique disjoncteur. À travers le portail. Allez, ferme-toi le portail. Et voilà, parfait. Alors, on va juste regarder dans le garage, je pense qu'il y a quelque chose. Ah, là, il y a un plan. Plan perforateur, c'est ça. Convertit votre arme pour infliger des dégâts hémorragiques et donne un bonus de dégâts mineurs. Les coups successifs appliquent aussi l'effet hémorragique. Notre boîtier de disjoncteur. Ouais, bah c'est bon. À moins qu'il y ait un autre portail à fermer. Ah oui, il y a un autre portail là-bas. Gros enflammé, hein. Dans ta gueule. Voilà, il ménage. Il y a un massacre sur le balcon en dessous. Ah, notre boîtier de disjoncteur. J'avais pas vu qu'il y avait de voiture. Ah, il y a un truc là à récupérer. Ah, mais par contre, l'eau elle est électrifiée. Est-ce qu'on peut couper le courant là, je pense. Voilà, je pense que c'est du coup le courant. Nouvelle quête. Une quête. Objet collecté. Journaux. Objet trouvé. Le clean et le snatch. Cadeau d'adieu. Alors, adios mi perita caliente, ça veut dire au revoir mon amour en espagnol. C'est mon pote qui m'a dit de dire ça. Blablabla. Alors, attendez, je vais lire un peu plus rapidement. Je ne suis pas très doué pour les adieux, alors j'espère que le contenu de cette boîte fera l'affaire. Madame Kwon m'a dit qu'elle la garderait le temps que je finisse ma dernière tournée des piscines de Beverly Hills pour récupérer tous les chèques et pourboires avant de me tirer de Los Angeles pour de bon. Ok, spoiler, c'est cette ancienne épée super classe que j'ai piquée à ton connard de voisin alcoolique. D'accord, donc du coup c'est une arme qui est à l'intérieur. Pourquoi là j'ai un autre...
tout mec. Ouais, c'est juste qu'on a déverrouillé un nouveau niveau. Donc on m'a approché, visé les membres à la tête pour éviter de faire exploser le jet de grenade. Et du coup, cette fameuse quête, ah, c'est ça. Quête active de type objet trouvé. Ok. Vous auriez pas pu trouver encore plus long comme descriptif de quête. Quête objet trouvé, ça s'appelle. Okay. Niveau recommandé, niveau 8. Ouais, donc on va pouvoir la faire. Suivez la piste dans Beverly Hills grâce aux journaux d'entretien des piscines. Récompense 2000 points d'XP et armes trouvées. Dolan's sword, hein? Bet it goes with my outfit. Est-ce qu'on voit sur la carte? Non. Ouais, bon, ben du coup, on reviendra après faire ça. Je vais devoir aller finir la quête là. Bon, on va la terminer. Ah, genius! Hey! Were you getting the pizza? Or were you fighting zombies in the yard? Feeding pizza to the zombies. Oh, right. No pizza. Sorry, man. Big evacuation party, you know. Oh shit! We gotta get to the evac! Roxy? Roxy, hey! Hey! Come on, babe. No time to sleep. We gotta evac. Je t'ai vu quand t'as bu. Hey, Jazzy, pack your shit! We're going! Evac was ages ago. Oh! Oh! My fucking skull! C'est sur la bouteille. Boom! God. C'est quoi ces vieux cagas, putain? Slept through another alarm. Hey, at least we got some. Un ravage de l'alcool, quoi. You have that much food on hand? Food? Non, juste de la bière. You useless pair of gobshites. I'm looking for Michael Anders. What do you want with that stiff? They don't get along. You don't call the lead singer of Gods and Whiskey a has-been. Damn right. The correct term is was-been. Baked bean. Dead fiend, if you keep it up. Okay, okay. Jesse might know. Oh, she's not here. Huh. I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Dear mother, if you must have sex at 3 a.m, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was the... So serious. Say she's gone up the hill to help a friend. You let her prance about alone. Hey, she's smart. She's in med school. Hmm, she's real sneaky too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. Ugh, I'll find her. Ah, cool. Looks like we're gonna have the place to ourselves. No, I need to get my head together. Hey, come on, she's gonna be okay. They're gonna find her. Come on, let's like plan and shit. Yeah, play to our strengths. Thanks. Let's hear your big plan then. Let's see this note then. Voilà, cette histoire accomplie. Parfait. Donc, du coup, ça a activé l'autre, mais on va d'abord aller faire celle que je viens de récupérer. Et du coup, il faudra revenir récupérer ça. On reviendra tout à l'heure. Tout à l'heure ou sur la prochaine session, tout dépendra en fait, le temps que nous prenons la quête là. Ah, un peu cassé la télé. C'est quoi ce trou dans le mur là? Morceau de fissure. Fuck Oceans. Ok, si vous voulez. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait les océans là? Yep. Got it. Ah. Rescue time. Mm-hmm. Ça serait pas un bon exam. Oui, je connais depuis enfin, par ma jeunesse. Je sais ce que c'est qu'un bon. Du coup, alors attendez. On va activer l'autre quête. On va suivre le clean et le snatch.
Alors, suivre la piste, ok. Et donc, du coup, faut faire quoi? Il n'y a rien indiqué sur la carte? Non. Ouais, donc, du coup, faut que je fasse le tour de différentes propriétés et que je vérifie les piscines. Bon, là où il n'y a pas de piscine, là, on est là. On peut essayer de redescendre en contrebas, là, pour les vérifier. Descendre là. Oh. Des zombies enflammés. On a une batterie. Ouais, genre, pas touché. Hein. Casse-os. Merde, du coup, ça va peut-être attirer les ennemis. Ouais. Faut que j'apporte une batterie. Une batterie, on en avait trouvé une dans la piscine d'avant. J'avais pas vu que c'était un nouveau type d'ennemi. Objet collecté. Encyclozombie. Merde, encyclopédie. Les sprinters. Et là, du coup, c'est le sprinter électrique. Le sprinter électrique qui a été taillé pour le combat rapide, agressif, hyper alerte et générant des mégavolts de courant. Les rames là, c'est cool. J'ai vraiment du mal à gérer là, ce qui est en mémoire apparemment. Marche bien ces petites armes là. C'est la suite. Parfait. Téléphone de Day. Le type qui nettoie la piscine ne s'est pas pointé. Encore ? Ouais. Soupir. Quelle fille lui a volé son cœur en échange d'un nettoyage de piscine urgent cette fois. Pas le lire, c'est plus intéressant. Ah voilà, il y a une batterie. C'est un zombie, j'ai pas vu. Hop, ça explose. Et ça libère la zone. Thank you.
clé de chez Farouk. Ouais, y a un truc à voir avec un fusible devant. Voilà, du coup, on va récupérer ce qu'il y avait là, on va aller voir l'étage. Ah, c'est un sprinter enflammé. Hein. Câble électrique, ça. J'ai merde de m'arriver quoi là. Merde, je suis mort, putain, je voulais me soigner mais j'ai pas le temps. Dégoûté. Je suis devenu sorti, ce zombie enflammé là. Hop. On peut le rafraîchir. Ouais. Hop. Alors du coup ça c'est pour électrifier là-bas. Je sais pas trop à quoi ça sert. C'est juste pour électrocuter la zone là, ça. Ça se met à ramer, je sais pas pourquoi. À cause de l'effet de lumière là, du soleil qui rentre dans la pièce. Alors, on va aller faire un petit tour dehors. Ça s'ouvre pas cette porte. Ah, récompense. Du coup, on va aller voir sur le toit en contrebas là. Ouais, puis du coup, on va aller voir la maison qui est à côté, vu qu'il y a une piscine aussi. Ouais, pas qu'il y a des batteries. Quoi le fait où ? Quelque chose d'intéressant. Là, il y a des cartouches. Le mec qui a dû tirer de là-haut. J'ai vu que j'ai perdu, c'est bizarre. Je peux pas tomber de si haut que ça. Ça c'est la piscine, on était passé tout à l'heure déjà. Là j'avais pas vu de... Ah,
Ah si, il y a un truc à récupérer là-bas dessous. Voilà. Je pense que là, c'est l'effet de flamme qui me ramène jamais. Ah d'accord. Un ennemi là. J'ai du coffre de Michael. Alors on va d'abord récupérer le coupon du coffre. C'est bien le logo, il y a encore, il est juste coché pour nous dire qu'on l'a déjà récupéré. C'est bien ça. Ah, ça fait réapparaître des zombies, vous me saoulez à faire apparaître les zombies là. Juste de partout, il y a deux zombies. On va se faire. Michael, alors... Bon là on va quand même le lire avec Michael, c'est l'autre. Mon client préféré, Michael c'est le mec qu'on cherche, donc voilà, on va regarder ce qu'ils disent dessus. J'ai nettoyé la piscine exactement comme vous l'aimez et j'y ai jeté un bon paquet de chlore. L'eau est étincelante, j'espère que ça vous dérange pas. Au fait, j'ai remarqué que vous avez une de ces bouées en licorne qui flotte toute seule. La pauvre, il lui faudrait une copine, vous croyez pas? Vous étiez pas chez vous quand j'ai fini? Mais je me suis dit, Monsieur Anders est un mec cool. Il me laissera lui emprunter un jour ou deux, n'est-ce pas? Ma nana meurt d'envie d'en avoir une et elle a une jolie bouée en pizza pour lui tenir compagnie. Promis, je vous en ramène une nouvelle demain. Ouais. Bizarre cette histoire de bouée en forme de pizza, machin. J'espère qu'il faut pas les emmener quand même, les déplacer. Du coup, on a fait la piscine là-haut. Ici, je sais pas s'il y en a une, la piscine. Je sais pas si c'en est une, le truc bleu. Après, sinon, bah, il y a ici. Il y a l'air d'avoir un bassin et peut-être ici une piscine. Ah, tiens, c'est quoi ça? Coin à écraseur. On compte beaucoup d'écraseurs dans cette zone. D'accord. Là aussi, il y a l'air d'avoir une autre piscine. Ouais, peut-être là aussi. Allez, on va aller voir la maison qui est au-dessus. Elle qui est là-haut. Ça vaut le coup de venir fouiller par là. Hello you. Comment vous allez? Très bien. Est-ce qu'on a des trucs utiles dans le coin? C'est de l'argent que j'aime récupérer. Ce bruit d'alarme. Elles sont belles mes chaussures. J'ai pas vu. Ouais, bon, il y a
c'est d'autres zones. C'est sûr, j'ai bien fait de me mettre sur le côté. Sûreté là, coffre fort, clé du garage. Ouais. Est-ce que l'ambulance allait verrouiller aussi? Prioritaire. Pour nous, ça a commencé. Foutez le camp. Évacuation prioritaire. J'ai déjà dit d'arrêter de me foncer dessus là, les boulets. C'est passé quoi là? Pourquoi il y a des trucs qui sont microposés? De voir si je vois pas un zombie qui pourrait me refiler la clé. Hein. Ah, encore un zombie qui apparaît là, mais ils sont chiants, enfin pas des zombies. Là au niveau de la maison, enfin, de la voiture. Ah là, y a encore un ennemi qui apparaît, hein, c'est chiant. Merde. Tiens, râteau dans les dents. Prendre l'habitude de mettre sur le côté quand je vous les porte maintenant. J'ai vu que c'était assez efficace tout à l'heure. Vite de se faire choper par le zombie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? La vie dans l'enfer d'L.A. C'est ça là, votre guide de peine putrescente, je crois. Elle leur fait faire de la méditation aux zombies, ça? C'est quoi? Ouais. Si c'est là qu'ils faisaient de la méditation, c'est mal terminé, apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre à récupérer?
récupérer. D'argent. Voilà, il reste plus qu'à aller voir là-bas au fond. Il y a une échelle là. Ok. No adult expect for snipe. Ouais, je pense pas qu'on puisse aller là-bas dedans. Ouais, bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Du coup, au niveau de la propriété, il y a pas de piscine ici. Ouais, je vais sortir, je vais prendre la route pour aller au-dessus. On n'a pas trouvé la clé pour. Pour récupérer le contenu du coffre. On va les planquer. Du radeau là. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? C'est bizarre ici. Ça ressemble sur les cartes. Bizarre secteur. On a un passage là-bas au fond. Il y a de l'eau par terre, du coup je m'électrocute comme ça. Et on a un boîtier à fusible. Ok, du coup là il y a un chemin qui permet d'accéder à la maison là-haut. On va pousser, hein. Et me lâcher, oui. Cette machine. Voilà. Alors, du coup, je pense qu'il y a de l'eau dedans, mais je peux pas le trimballer. Ouais, je vais récupérer des bidons d'eau normalement là-bas dessous. Dans le garage, j'ai vu qu'il y avait des bidons d'eau. Zombie qui me poursuit.
Bon, vous allez me lâcher deux secondes. Je puisse nettoyer tout ça là. Pour récupérer un vieux couteau. Alors, voilà, on a un peu le. Oui. Ouais. Bon bah voilà. Alors, du coup, il y a une villa qui est au-dessus. Et j'ai perdu beaucoup de temps pour pas grand-chose là. C'est abusé. Ça va où? Alors voilà, j'ai vu qu'il y a un truc là. Foutez le camp, loi martiale finalement dans l'incident. Bon voilà, moi je suis pas venu pour rien. Je vais aller dans la propriété par là. Dans le mur, il y a une bagnole qui est rentrée dedans. Bon, on va passer par là. Du coup, elle est où cette piscine? Ouais.
c'est pour le tuer. Ah, dans les jambes. Pas casser la jambe. C'est un peu là. C'est une arme. C'est quoi ce bruit hein? Ça, c'est chelou. Du coup, rentrer dans cette maison. Les produits chimiques là. Oh putain, le mec est quand même hâte de mort. Merde, il monte. Appétit. Où ce con? Ah non, putain, j'ai touché la voiture, elle est. Elle était piégée. Ah, il me fait flipper. Entendu là. Dégage. Ah merde, et puis j'ai encore déclenché notre alarme avec mes conneries. Un poulet. Comment on l'arrête comment celle-là? Parfait, café pour enlever la batterie. Ah, allez. On va se la faire comme ça. On va remettre des coups dans la tranche. On n'a pas l'air de réussir à monter par les autres côtés. Hein, mais ça va passer. Comme ça, j'ai l'impression qu'elle va pas s'arrêter. Enfin, l'alarme elle s'arrête d'un moment, mais elle repart. Vu que je suis dessus. J'ai pas une arme un peu plus puissante. Celle-là, mais elle a une allonge de merde. Oh!
c'est là. Niveau 9, alors on est sur une nouvelle carte. Blocage, maintenez LB pour se protéger de l'attaque. Bloqué au bon moment, rend de l'endurance et étourdit le zombie, ce qui permet de le porter à un contre dévastateur. C'est vrai que ça je l'utilise même pas en fait. Et du coup on peut pas, on a soit esquive, soit blocage, mais on peut pas avoir les deux. Genre ça l'a pas touché. Ah, vite. Yes. Voilà. Je vais déverrouiller un nouveau type d'ennemi. Le sprinter. Voilà, sprinter en combinaison. Il a laissé tomber un truc. Encore fait attaquer comme ça. Mais vous allez me lâcher un peu. Encore pas. Bon. Alors là on a quoi? Clé de conteneur dangereux.
donc je vais retourner dans la rue, on va continuer de fouiller un peu. Je vois pas trop où est-ce qu'il est ce conteneur. On va essayer de rentrer dans la maison là. Donc je pourrais par ici. Il y aura un garage, un truc comme ça, non? Yep. Amputation. Ouais, c'est bizarre là, que j'arrive pas à savoir comment rentre le bandeau. Je m'étais dit qu'il y avait peut-être moyen d'aller sur le toit là-haut et de passer par là-dessus. Ouais. Bon, on va aller voir la maison d'à côté. Il y a une piscine en plus à côté. Ouais, au-dessus, il y a bien l'air d'avoir moyen d'arriver par là-haut. C'est par là parce que par l'entrée, il y a plein de du chimique. C'est un gros et que t'as une tête de mort en plus, c'est même pas la peine. Ça veut pas, hein. Ça a l'air d'être une zone où ils ont essayé de soigner les zombies, là. Soigner les gens. Ah voilà, il est là, le conteneur de produits chimiques. Enfin, je pense, hein, normalement, je crois que c'est ça. On avait trouvé un autre aussi de produits chimiques à l'hôtel, je sais pas si vous en rappelez. À côté de la piscine en fait, où il y avait le truc caustique là. Ouais. Mais ça explose ces trucs, j'aime pas. Diluer tout ça. Ouais,
je sais pas. Je ferai peut-être une vidéo où je vous montrerai un peu les différents collectibles, voir si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur le lore. Hop. D'accord, en fait, donc du coup, vu que j'ai récupéré la clé des conteneurs de produits dangereux, là, ça veut dire que du coup, maintenant, je vais pouvoir ouvrir tous les conteneurs de partout dans le jeu. Moi, je pensais pas que c'était fait comme ça, en fait. Je pensais qu'il y avait des clés, en fait, spéciales à chaque fois à proximité des éléments à ouvrir, en fait, qui sont verrouillés. Mais en fait, non, une fois qu'on a la clé, après, on peut aller où on veut avec. On va ouvrir toutes les boîtes qu'on a. Il y a que les clés, genre les clés de coffre, ce genre de choses. Coffre-fort qui, eux, par contre, elles sont, je pense, définies. Elles ont qu'un seul exemplaire, il faut la trouver. Et il vient d'où le zombie qui est là-bas au fond, quoi. Lui aussi. Putain, en plus, c'est des zombies avec des têtes de mort. Traps. Putain, il y a des pièges. Allez, si on a un autre de piège. Merde, là, je me suis pris dans les jambes. Rien réussi à faire. Ah. Moteur de collision qui est en train de bugger. Ah, du coup l'ennemi ça l'a tué. Ah d'accord, ok, donc vous voyez en fait c'était ça le piège, j'avais une arme. Ouais, et puis là c'est pareil, regardez l'arme, elle était là. Je sais pas si on pourra en faire aussi des pièges. Non. Ah non, putain, elle est morte. Ah non, elle est même pas morte. Quasiment, quoi. Putain, je suis dégoûté. Voilà, là, je vais finir, là. Tchum. Ah là, c'est un coup à lui mettre. Non, plus de chat. Alors, attendez, est-ce que j'ai une arme que je pourrais balancer? Mais c'est du produit chimique. Ah,
C'est la totale, quoi. ouais. Ah, attendez, du coup, peut-être qu'avec mes bombes... Et ça a dilué un peu le produit. C'était juste pour me récupérer le couteau, ça vaut pas le coup. Du coup, là on a fait le tour de cet étage. Là je sais pas si on peut y aller. Là, c'est par là, par le balcon, du coup on n'était pas allé voir la pièce à côté. Bien. Ça se passe quoi là? Désolé. Ah bah ouais, le jeu il a planté. Voilà voilà. Putain, mais qu'est-ce qui me saoule la vase là? Dégage. Ouais, le jeu a planté. Désolé. Je dois relancer. Ouais, ça se passait trop bien. J'ai plus de problèmes techniques au niveau de mon PC de capture, là. Il tournait pas trop mal. Ouais, dégoûté. Désolé, hein, du coup, je relance. Je ferai pas de coupure. Hein. Je vais pas refaire de montage derrière pour couper. Et le passage où ça a planté, c'est pas grave. Bon, du coup, ce qui est chiant, c'est que la sauvegarde elle a été faite quand? C'est un peu le problème. Pardon, j'ai regardé un autre truc du coup. Alors du coup, ça va, putain, relou. Et je sais pas du tout du coup le checkpoint, quand est-ce qu'il a été fait dans la sauvegarde. Je sais pas du tout qu'est-ce qui a été validé ou pas. On est où là? C'est pas du tout là où j'étais censé aller. Moi, je suis censé aller là-haut, je crois. Ouais. Ouais, ok, là-haut. Ouais, donc du coup, ça nous a fait être... Ouais, ça nous a fait apparaître à proximité. Il y a le message, là. Was Dan Prank? Ça, c'est les derniers trucs à collecter pour la quête. Ouais, c'était ça. Téléphone Dobby. Salut mon chou, blablabla, ce crétin pense que c'est avec une chaîne de blagues qu'on va avoir des vues. Yeah, je t'aurais pas demandé si ça avait pas été super urgent, mais on est censé streamer une fête dans la piscine ce soir, mes abonnés. Ok, du coup après faire quoi? Quelle piscine appartient à la personne pour qui Obi a le béguin? Oh
Ah bah voilà, je suis mort. Poisonné. Vous me soignez, j'ai pas le temps. Ça c'est bien, à chaque fois il me faut réapparaître à des endroits à 12 km de l'endroit où je suis censé être quoi. Alors attendez, du coup on va se concentrer sur la quête. Donc ça nous demande quoi? Quelle piscine appartient à la personne pour qui Obi a le béguin? J'ai plus de fusible. On pourrait mettre une option où on peut dire qu'on a déjà tout vu en fait. Valider tous les trucs qui n'étaient pas actifs. Pardon. Je me perds un peu dans les menus. Voilà. Faut qu'on lise ça du coup. Pour essayer de savoir pour qui il a le béguin. Hein. Blablabla. Je m'attends pas à une invitation à son mariage, elle s'éclate trop à tirer sur sa laisse, mais disons que je connais une piscine à Bel Air qui reçoit un invité quotidien, des visites quotidiennes. Obi. Donc ça c'est signé Obi. Une taille de piscine exactement comme un étincelante au fait, blablabla. Pour lui tenir compagnie, promis, je vous en ramène demain. Le pauvre, il lui faudrait une copine, vous croyez pas, vous étiez pas chez vous quand j'ai fini. Téléphone d'Obi. Marissa. Salut mon chou. Je sais que je t'ai pas booké aujourd'hui, mais il y a un truc qui schlingue grave dans notre piscine. Je flippe trop, je ne veux pas le toucher. Je crois que c'est un cadavre et je trouve Dan nulle part. Je peux parier. Tu peux parier qu'il est planqué quelque part en train de tout filmer. Le crétin pense qu'avec. Blablabla. Ok. Peuvent pas me voir, le vert nausé me va pas du tout au teint. S'il te plaît, sois mon héroïne, je te voudrais. Ouais, bah en fait, je me demande si il suffit pas simplement de retourner dans la maison où on avait trouvé pour la quête principale. Là. Je crois qu'elle sait. Je crois que, non, ça c'est celle de chez Michael. Ouais, l'autre c'est la maison qui est un peu plus loin. Parce qu'en fait, vous vous rappelez où on a récupéré le premier truc pour déclencher la quête. Il y avait une caisse en fait qui était fermée et je pense que c'est là-dedans du coup qu'il y a la... qu'il y a l'épée dont il parlait. Donc, je sais pas, il faut peut-être simplement retourner vers la piscine. Propriété que au-dessus. Je suis pas parti du bon côté. Voilà. Et là, du coup. Got it. Rescue time. Désactive l'électricité. Ah oh putain, tu prends le jus. Est-ce que ce serait pas à cause des armes que j'ai dans les mains? Ah, faut la clé d'Obi. Donc ce n'est pas ça. On peut venir là. Quelle personne, quelle piscine appartient à la personne pour qui Obi a le béguin? C'est cool, il y a un petit peu de recherche, un peu de espèce de petites énigmes. Du coup, adios my permita, au revoir mon amour. Donc là, c'est une lettre d'Obi, si on est d'accord. Ouais, voilà, signé Obi. Donc, blablabla. Mais du coup, à qui appartient cette piscine? euh,
Alors j'espère que cette boîte fera l'affaire. La couronne m'a dit qu'elle garderait le temps que je finisse ma dernière tournée des piscines. Ouais, là en fait elle parle de la boîte. Avec la boîte qui est là dans l'eau, je pense. Farouk. Le type qui nettoie. Donc là on va peut-être avoir des réponses. Le type qui nettoie la piscine ne s'est pas pointé encore, ouais. Soupir. Quelle fille lui a volé son cœur en échange d'un nettoyage de piscine urgent cette fois? Parce qu'il lui reste encore un cœur à voler. Ce plan ne vaut vraiment plus le coup. Tu te rappelles quand on l'a embauché et quand on est rentré à la maison pour trouver une piscine toute propre, couverte de pétales de rose? Ah, je l'oublierai jamais. Il s'attendait à trouver une nana, le pauvre. La tête qu'il a faite quand on est arrivé. Ça valait tout le fric que ça nous a coûté pour nettoyer ce foutu pétale. Et ça nous a coûté un bras. Grave. Tu sais qu'il n'arrête pas de parler d'une nouvelle depuis plus d'un mois. Un mois, le gosse doit être amoureux. Raconte, est-ce qu'elle a le droit au pétale de rose? Je m'attends pas à une invitation à son mariage. Elle s'éclate trop à tirer sur sa laisse. Mais disons que je connais une piscine à Bel Air qui reçoit des visites quotidiennes. Ouais, c'est un peu spécial comme truc. Eh, mon client préféré, j'ai nettoyé la piscine exactement. Hein. En fait, j'ai remarqué que vous avez une de ces bouées en forme de licorne qui flotte toute seule, la pauvre. Il lui faudra une copine, blablabla. Attendez, là. Ma nana meurt d'envie d'en avoir une et elle a une jolie bouée en pizza pour lui tenir compagnie. Voilà. Bon, du coup, faut trouver la piscine qui a une pizza. Pourquoi il y a un marqueur qui est activé là? Un marqueur. Et ça déconne un peu. Hein. Quand je retourne sur le jeu, en fait, il y a des marqueurs que j'ai sélectionnés auparavant qui s'activent en fait. Ils sont trop sort. Pourquoi? Du coup, sur quelle piscine ça peut être? Il y a celle-là, on n'est pas allé voir, et puis celle-là aussi. Donc on va aller voir ça. Là-bas. Non, pas là-bas. Faut encore bien repérer les différents endroits du quartier. Là, une boîte à fusibles. Électrocuter. J'élimine des ennemis à moindre frais. Je viendrai fouiller un peu plus tard parce que là au niveau de la durée de la session on arrive bientôt au bout. J'ai simplement essayé de vérifier si c'est là qu'est la fameuse. Putain, c'est encore un ennemi avec une tête de mort. C'est pas ici qu'il y a une pizza.
So she's hanging out with these construction workers. Not because it's not a good job. Merde. Du coup, j'ai avancé sur la quête principale. Note sur le frigo. C'est quoi cette blague? Ça m'a fait récupérer la note sur le frigo qui était en bas là-bas. Le fait que j'ai passé la porte là, c'est spécial leur façon de faire. Bon, après, de toute façon, cette note, je pense que tout le monde l'aura récupérée parce qu'elle était là. Non, pas là. Ici. Et vu qu'elle perd, en fait, on est obligé de la récupérer pour. Enfin, on n'est pas obligé de la récupérer du coup, vu que j'ai réussi à faire avancer la quête principale. Mais du coup, faut le... voilà. Du coup, si on passe la porte là, on la récupère automatiquement. Donc, je pense que c'est pas très compliqué. Je vais simplement montrer où est-ce qu'elle est censée être. Ouais, du coup, ça m'a fait avancer la quête. Carte, du coup, elle est en dessous là. Un jacuzzi, elle est vide. No one told me Zomfest was happening this year. J'ai crevé. Ouais, puis du coup, bah c'est pas là. Hein. C'est pas là. Est-ce qu'il y a encore des piscines là-haut? Ouais. Pas sûr que ça en soit ça. Des piscines avec une bouée en forme de pizza. Je me rappelle qu'on en avait trouvé une. Ça où? Ouais, on en avait trouvé une, mais c'était dans le quartier précédent, donc du coup, je pense pas que ce soit ça. Sûr que ce soit une propriété là-bas. C'est space. Bah non, c'est... Elle serait pas là, la piscine. Ouais, c'est un peu relou, j'arrive pas à savoir où c'est. Peut-être celle-là. Il me semblait qu'il y avait rien dans celle-là. Ouais, mais du coup, en fait, j'arrive pas à savoir si la quête elle se fait uniquement dans cette zone ou si ça prend en compte les autres. Et du coup, si ça prend en compte les autres, ouais, c'est peut-être que bah, c'est pas ici. Je peux toujours essayer de chercher. C'est... Il y a une piscine là-bas derrière. Porte de maison. Ça c'est la piscine de Michael. Il n'y a que dalle.
bien quelques bouées là, mais elles ont pas de forme particulière. Que du coup c'est pas dans ce secteur là. Sinon, ouais, c'est que c'est cette piscine là, mais qu'on n'a pas bien vu. Alors, j'ai pas énormément fouillé vu que je me suis fait tuer assez rapidement. Pas de bouée particulière. Ça, là, mais pas non plus. Ouais. Bon, bah, du coup, je comprends pas trop. Hein. Grâce aux indices laissés lors de sa dernière tournée de piscine, suivez sa piste et mettez la main dessus. Et sa revanche. L'agent d'entretien des piscines Obi a pris sa revanche sur un client mal poli en lui volant une épée de famille. Ouais, j'aimerais bien la récupérer cette épée. Lichez les objectifs. À quelle piscine appartient à personne pour qui Obi est bégain. Ouais, streamer une fête dans la piscine ce soir à mes abonnés, ça c'est quasiment sûr que c'est la piscine d'avant, quoi. La candeur de la zone précédente, là, où je vous avais dit que c'était une influenceuse, là, qu'on avait fait une quête annexe. Ouais, bon, du coup, je vais repartir en arrière. J'aimerais bien terminer cette quête avant de terminer la session, quoi. Du coup, on va retourner en arrière, on va aller voir... Retourner voir cette fameuse piscine où il y a la pizza, la part de pizza. Là, j'aimerais bien boucler la quête sur la session. Ici. C'est quoi ces traces par terre là, des traces de vin. Allez hop. Quoi? Les quêtes actives pourraient être abandonnées? C'est quoi cette merde? Bon, sérieux?
coup, je comprends pas. Là. Bon, j'ai pas envie de retourner en arrière si ça me fait perdre ma progression. Elle a pas 150 000 en plus des piscines. On a fait le tour de toutes les piscines. Alors après, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont en intérieur, là, dans la maison. Ici, on est venu, on a fait le tour. J'ai regardé, il n'y avait rien. Là-bas aussi. Ouais. Vraiment relou. J'avais pas envie d'aller regarder en plus une solution en net. Ouais, j'ai juste allé vérifier du coup les deux maisons là-haut. Je dis, ça se trouve, la piscine elle est à l'intérieur de la maison. Il y a un zombie qui me court après tout à l'heure. C'est chiant toujours d'avoir changé. Et puis en plus, ah si, ça. Donc je pourrais pas l'utiliser tout de suite. Ouais, les zombies sortent des plaques d'égout. Ouais. Il y a rien d'avoir d'autre. Ouais, bah du coup, je sais pas. De piscine là. J'ai du gong blimba.
Katana. Alors, est-ce que j'ai une arme que je peux balancer? Balancer ça. Ouais, bah du coup, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller là. C'est, pour moi, c'est dans la zone précédente, hein, mais vu le message qu'il m'a indiqué tout à l'heure et que ça allait me faire abandonner ma mission, là, c'est un peu de la merde. Sûr, là je vais là où il y avait les deux les deux défoncés là, les deux alcooliques et puis du coup je vais vite fait faire un peu de gestion sur le, mon inventaire là, sur mes armes, réparer les trucs à réparer et tout, puis j'arrêterai là. Puis, bah du coup on verra pour la prochaine session, j'essaierai de regarder vite fait sur le net pour savoir si c'est bien dans l'autre zone ou pas quoi. Pour moi, c'est dans l'autre zone parce que ici, on a fait le tour de toutes les piscines, on n'a vu aucune bouée. Je vais où là? Ouais, la maison en face. Et du coup, il n'y a pas, y a aucun sens quoi. Je vois pas où est-ce que ça peut être dans cette zone. Ici, il n'y a pas, ici, y a pas de bouée en forme de piscine. Piscine. En forme de pizza. Donc c'est pas ici non plus. Ouais, ouais, ouais. Comme je dis, pour moi, ça doit être dans la zone précédente. Mais du coup, début de la prochaine session, on finira la quête principale jusqu'à ce que ça nous ramène dans la zone précédente. Et du coup, on verra à ce moment-là si on trouve cette fameuse bouée. Je crois qu'il y a un casier aussi ici. Il y a rien. Alors, qu'est-ce que je peux... Ouais, du coup, genre là, le hachoir, faudra que je le revende parce que j'en ai un de meilleur. Moi, le coup, hop, hein. Ah, mais lui, il a un truc particulier, c'est un coup des catons. Bref, je vais mettre le katana, on va le garder, on va l'améliorer. Je vais poser tous les trucs qui ne sont pas utiles là. Voilà. Le katana, amélioration, électricité ou feu. Voilà, sauvegarde, c'est parfait. Bref, bon bah écoutez, j'espère que cette session vous a plu, je vous remercie de l'avoir suivi. Je m'excuse pour le petit problème technique là, que le jeu il a planté, hein, ça dépend... indépendant de ma volonté, donc voilà. Et puis, du coup, pour la prochaine session, on ira, comme je vous dis, aller terminer la quête principale là, qu'il y a à faire dans le secteur. Et je pense que ça nous renverra dans la zone d'avant, donc à ce moment-là, on ira voir si on trouve cette fameuse bouée en forme de pizza. Bref. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, du coup, on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre périple sur Dead Island 2.
Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao.